Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on poursuit notre découverte de Dolmen. Bon, on va essayer d'avancer un petit peu plus et de voir un peu ce que donne le jeu avec une classe différente. J'étais pas très content, pas très agréablement surpris par la classe de guerrier, mais la classe de tireur d'élite a l'air déjà beaucoup plus adaptée. On va continuer aussi parce que j'ai eu la chance de recevoir une clé de Massive Work Studio pour le jeu sur PC, sur Steam. Et je voudrais vraiment les remercier de tout ceci. Hein. Massive Work Studio, Prime Master, Koch Media. Car ça va me permettre quand même d'avancer un petit peu plus sur le jeu et d'apprendre à le découvrir un peu plus. Je pense que le jeu a de quoi faire de belles choses. Maintenant, il a des petits soucis, mais rappelons-le, ça reste un jeu fait par une petite équipe, un jeu indé, hein, donc il faut savoir pardonner. Allez, on va démarrer la partie. J'ai déjà préparé un nouveau personnage, un tireur d'élite ici. Ouais, on va se lancer. Oh bah tiens, on va le refaire. Toc, recrue, tireur d'élite. On va s'appeler Shinro Gaming. Est-ce qu'on peut mettre une petite, un petit espace? Ouais. Oh, ça fonctionne très bien. Un perso normal et on est parti. Dolmen is a crystal whose radiation has interdimensional properties. It makes the membranes that separate universes thinner, making different realities collide. An interdimensional rift appeared at the mining station in Revion Prime. The entire installation was infested by creatures and who knows what else. We need to contain the effects of this catastrophe before it's too late. Your mission is to go to the mining station in Revion Prime, exterminate the creatures, and bring back samples and crystals so we can study ways to contain future incidents. You will be teleported to the station. We will provide tactical support, but once inside the station, you will be on your own. Due to interference, the teleportation will be turbulent. We count on you to contain this crisis. Preparing to teleport in 3, 2, 1. Welcome to Revion Prime. Welcome to Revion Prime. Bon. J'espère cette fois-ci qu'on va pas se faire poutrer si vite. Something interfered with the teleport. I've never seen readings like this. Are you sure I'm in the right place? If I'm reading it right, you're on the disposal area. Keep us informed on your progress. Enfin, au lieu d'y aller tout seul, t'aurais pu y aller à plusieurs. Hein. Bon, le jeu est sur PC, hein, je le répète, on est en 4K, tout est à fond. Le jeu utilise le RTX, le Ray Tracing, donc on va voir ce que ça donne. Consomme de l'énergie directement depuis votre jauge d'énergie pour vous soigner. Alors ils disent directement, est-ce qu'il y aura d'autres moyens de se soigner? Je ne sais pas. Attaque légère, attaque lourde. Alors j'ai essayé le jeu tout à l'heure et j'ai eu des mauvaises surprises au niveau des touches, mais là ça a l'air d'être réglé. Alors, je pense que c'était un petit redémarrage de mon PC et ça lui a fait beaucoup de bien. Verrouiller les cibles, ok. Alors on va verrouiller. Par contre cette fois-ci on peut donc se servir du flingue qui fait de jolis dégâts. Donc je pense que tout ça va simplifier un peu les choses. On peut parler avec LB. Où es-tu toi? Hop. Ah ça souffle. Ça souffle. Jusqu'ici il n'y avait rien. Hein. On avait par contre ici
Ouais, donc ça c'est la batterie, c'est pour pouvoir booster notre charge de consommation d'énergie. Consommation d'énergie qu'on peut utiliser avec les fusils. Sans perdre trop d'énergie, sauf si on arrive en bout de vie. Tu m'as touché comment là? Tu m'as touché comment? Bon. Par contre, une fois l'énergie utilisée, c'est ça qui est un peu embêtant. On la récupère pas. Il faut utiliser les batteries qu'on a là. Après, ces batteries là ont l'air d'être réutilisées à chaque... chaque feu quoi, hein. C'est pas des feux là, c'est des objets qui nous permettent d'être téléportés. Alors j'ai essayé un autre truc la dernière fois, et si ça, voilà. J'ai une attaque à la roulade qui est intéressante. Decoding now. On a des codings. On n'a pas encore accès au vaisseau. On va bientôt y avoir accès. Logiquement. Si je voulais aller là. Petite zone. Petite chose à récupérer. Ça c'est assez étonnant parce qu'on n'a pas toujours quand on casse ce genre de choses, on n'a pas toujours des items à chaque fois dessus. C'est une bonne chose, une mauvaise chose, je saurais dire. La voie principale, tiens, toi t'es là-bas, on va essayer de te latter parce que toi sinon tu vas nous attaquer. Sont givrés, hein, ça fonctionne bien. Bon, là il m'a touché juste avant, j'aurais dû faire une petite attaque après roulade, ça aurait été mieux. Ici j'ai quelque chose mais je sais pas comment y aller. Ça doit être juste là pourtant. Pourquoi je peux pas y aller? Ah, j'ai une porte ici, d'accord. Il y aura quelque chose à récupérer de côté de cette porte. La voie principale encore une fois. Alors là faut faire gaffe parce que des petites saloperies on en a partout. Toi par exemple. Ces petits œufs là ils vont exploser et eux ils sont dedans. Avec le flingue déjà on améliore grandement les choses. Alors de temps en temps je peux balancer des petits boosts, voilà, d'énergie. Est-ce que c'est parce que je fais un... parce que je fais un critique, pardon. Ouais, j'étais en train d'essayer de me concentrer. Je sais pas. Je pense, mais je sais pas. On doit en avoir d'autres là. Des petites saloperies. Il y en a un peu partout. Alors des œufs, il y en a déjà partout. On va les utiliser. On va les tuer là, hein. Tranquille. On fait le lâche, mais... le jeu est franchement très dur pour le moment. Reviens. Ah, je vais te laisser aller là-bas alors parce que tu reviens trop vite. Ah non, il va pas revenir. Tant pis.
Quoi ? T'as, il est toujours pas mort lui ? Bon, on va les avoir là. Pas grave. Hop. Voilà. Je vais redescendre par ici parce que il y a des dégâts de chute mais je sais pas combien. Faut pas hésiter hein. Imaginez. Mais tu es mort, Carl Miller. Référence à Bruce Lee pour ceux qui connaissent pas. donc ici, qu'avons-nous? Est-ce qu'il y a d'autres cochonneries? Ah la petite attaque après roulade est pas mal. Elle est pas mal. Alors on entend un peu toutes ces saloperies un peu partout. C'est un peu chiant. Ouais, on attaque lourde aussi. Qui est bien, mais qui utilise beaucoup d'énergie. Alors elle n'utilise pas tant d'énergie que ça. Par contre, on a tendance à rester, à courir, et c'est là qu'on ouvre toute notre énergie. En fait. Ah, toi tu meurs. Hein. Tu meurs mon vieux. Ici j'ai la balle. Attention. Voilà. Ah ça marche bien. Je sais pas ce que donne l'attaque avec la grosse épée là, mais ça fonctionne bien. Alors faut vraiment regarder partout hein, parce que ils sont partout les cochons. Comme vous voyez, par rapport à mon premier try, c'est beaucoup plus agréable. Alors ils ont peut-être fait d'autres petites mises à jour aussi, hein, c'est fort possible, mais... On est moins paumé. Alors, ça dépassait les choses. On va récupérer ça. On va repartir de ce côté-là cette fois-ci.
Ouais, je pourrais peut-être faire un peu cette zone, nettoyer là. Parce qu'en fait, on les voit un peu partout. Ils sont là. Utiliser les attaques fortes, mais ça me fait perdre ma barre, alors j'ai pas tellement envie. Le réacteur, mode d'énergie utilisé, utilise de l'énergie à la place de l'endurance et active certains effets. Alors ça c'est bien, mais il faut aussi faire très attention en fait, où est-ce qu'on en est, quoi. L'énergie, parce que l'énergie, alors on a toujours ces 4 barres à récupérer, mais... Alors je suppose qu'après on en aura plus aussi, hein. Toc. J'entends plein de bruit, je sais pas où ils sont. Je crois que là il y en a encore un. Je crois pas qu'il y en ait d'autres, hein. On va voir de toute façon, on va voir la surprise. Et là on entend un truc qui marche là-haut. Il est tombé? Ouais, il est tombé je crois. Ah non, il est juste là. Il remonte pas? Non, c'est qui brûle? Qu'est-ce qu'il fait? Il était là, non? J'ai pas vu là? Non, bon bah écoutez. Alors, les premiers échantillons de cristaux de dolmen ont été trouvés dans une zone à haute pression, à 3 km sous la surface. Là, ici, on peut pas encore avancer. C'est bloqué. Ça va pas l'être à chaque fois. La voie principale. Essayer d'affecter les ennemis avec des éléments. La plupart ont une faiblesse spécifique à exploiter. Et oui. Et oui. Là, on va pas y aller parce que je crois qu'il faut plus aller de ce côté-là. Oh. Ah, elle aime pas. Hein. Par contre, je sais pas où est-ce que t'as sauté, toi. Comment ça se fait que tu nous as eu comme ça, là? Faire attention. Là, j'ai pas l'impression qu'il y en ait d'autres. Mais on entend quand même des bruits. Là. Batterie d'énergie, c'est très bien, on passe à 5.
dit, moi, au niveau des tirs, parce que j'essaie de gérer ma barre, normalement. Qui vont tomber dessus là. Hein. Ah, je sais pas. Écoutez, on verra bien. Là, pour l'instant, ça pop un peu partout. Je sais pas si ça leur met un debuff. Ça met un debuff de ralentissement, certes, je pense, la glace, mais. Je sais pas. Ah oui, alors il y a des sortes de toiles ici. On peut les détruire. Qu'est-ce qu'on a là? Rien, super. Je fais gaffe. Aucune confiance. Ouais, ce petit flingue là, il est pas mal. Je dois admettre qu'il est pas mal. Après c'est la première zone. Hein. On n'a pas encore tombé sur. On n'est pas encore tombé sur un boss. J'ai commencé à regarder un peu de quelques vidéos. C'est pas simple les boss, hein, semblerait-il. Bah, c'est aussi hein, malheureusement un peu dû à la jouabilité aussi, hein, qui est pas. Pas du souls quoi. Donc ici. Qu'est-ce que j'ai... J'ai dû faire gaffe là... Ça s'est tombé mais pour aller où je ne sais pas. Je peux pas voir plus bas. Je sais pas. Il y a rien, je suis pour rien. Là, je peux redescendre. Qui me perd aux yeux ? Je suis obligé d'en utiliser, je voulais pas. Si j'utilise ouais est-ce que si j'utilise un petit troulade là ça marche mieux. Oh, peut-être que je vais voir où est tombée ma plaque moi tiens. Bon oh, si c'est tombé là de toute façon il s'est rien passé hein. Là on peut remonter par ici mais il n'y a rien là où on était là bas là par contre je peux peut-être descendre là. Pardon, zut. Outil de foreuse rouillée. Et un alliage. Ah, j'ai tué tout le monde là, normalement je devrais plus entendre de bruit là. Par contre faut que je remonte. Calme-toi. Qu'est-ce que c'est que cet outil de foreuse? C'est pas une arme? Non, c'est pas une arme. C'est pas simple hein, monsieur, moi je veux bien comprendre. Il faut que je me retape tout le tour là. J'ai toujours pas regardé où était tombée une plaque moi. Elle est tombée nulle part en fait, hein. Je crois qu'elle a disparu tout bêtement.
C'est glauque. C'est très très glauque. Bon, de toute façon, j'étais arrivé là. Je suis descendu ici. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je peux passer là. Oh. Éviter de tomber aussi. Là-bas, il y a des mobs, mais ils sont loin quand même. I managed to synchronize the signal with Zone Starship. This driller is a VIP. He helped us bypass the interference. I will teleport him to the ship. Now you can use beacons to teleport to the ship. Great. Je pense qu'on a été... On a dû être téléporté là, j'ai l'impression. On doit arriver au fameux vaisseau, le hub central du jeu. Bon, bah on a mieux avancé que la dernière fois. Hein. Ouais, le synthesizers. Il y a un étage. Ok. Avec... c'est toi qu'on a... accueilli alors, Seba? Réacteur de feu. Réacteur d'acide. Qu'est-ce que c'est ça? Réapparition des boss. Multijoueur quitté. Mais réapparition des boss, non, non. Ça va pas, non. On peut refaire les boss. Ça, c'est bien. La technologie inadite peut entraîner un sentiment confus chez l'agent qui s'en sert, comme s'il était dans une technologie effacée. Ray tracing à fond ici. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Les nanites sont aussi utilisées pour l'extraction du Surevon Prime. On peut en récupérer un peu partout. À quoi ça sert ça? Pas de dos. C'est pour dormir. Ah mais ça aussi c'est pour dormir. Qu'avons-nous là? Nanorobots issus de la technologie ZAN, les nanites sont utilisés pour prédire les résultats potentiels d'un combat afin d'éviter ceux où l'agent est tué. Ouais. Interagir? Non, je peux interagir qu'avec ça. Donc on est dans notre vaisseau là. Ce qu'il faut faire, c'est partir. Hein. Il faut fuir. Voilà, les grosses saloperies là qui m'attaquent de partout. On va aller voir en bas ce qu'il y avait. Descendre. Ah, un peu de matos. Là, je peux changer mes couleurs, très bien. Ouais, je touche à rien. Ah bah, c'est encore la même chose. Ça me faut. Différents types de couleurs. C'est ce qu'on voit dans l'intro, je pense, pour pouvoir prendre des armes. Là c'est le TP, là c'est pour monter. Tiens, ah, interagir, tiens, qu'est-ce qu'on a là? Ah bah ça c'est pour se fabriquer des armes. On peut fabriquer des haches, des épées longues, Zoan feu, plus 2 en force, physique 225, des épées recyclées de feu, plus 1 dextérité, 135. Dégâts. Ah mais mes haches on peut les rendre en feu par exemple, en acide, en feu ou en glace. Là j'ai hache de glace.
récupérer quasiment toutes les armes là déjà. Enfin, faut les fabriquer, hein, mais on peut le faire. Ah, des nouveaux flingues. Ah, un fusil à pompe de Nikki Derma. Nikki Derma. Stabilité science, tir enchaîné, vitesse d'attaque, ils nous disent pas combien ça fait de dégâts, acidité je pense 35, 35 de fou, 35 de glace. Et là il me faudrait 3 plans pour pouvoir faire le fusil à pompe de Nikki Derma là. J'avais récupéré un truc spécial, non ça doit être ça là, les plans pour faire les épées recyclées. Il y a un bobo ? Bouclier fabriqué à partir de parties de rigide, pardon, de canipes. Il me faudra plus 5 de force pour utiliser. Par contre, une belle défense physique. Eh ouais. Bon, je peux pas le faire hein, du tout. Ah. Qu'est-ce que Zoan ? Technologie Zoan ? Extrêmement légère, permettant une mobilité maximale, et elle est souvent utilisée par les forces de l'ordre. Mais ça c'est déjà ce que j'ai, ça, le casque Zoan, non, niveau 1. Humain, ah oui, alors il y a ça, humain, Riviane et foreuse. Non mais je crois qu'il déjà il doit protéger bien plus, parce que moi je dois protéger à 0 en physique là. J'ai rien sur le dos en fait. Il faut garder ça, foreuse, Riviane et Zoan là. Pas faire beaucoup de zones de toute façon, parce que ça va nous donner des bonus particuliers je crois. De toute façon il me faut quoi, parce que là il faudra, ah bah non là en physique je peux le prendre, j'ai tout ce qu'il me faut. Par contre ici il me faudra de la vigueur, ici de la constitution. Donc, ça serait bien que j'essaie de récupérer de ça là. Par contre c'est chiant parce que je sais pas ce qu'il faut, il me faut des... je sais pas quoi là-haut, et je n'en ai pas. Parce que voilà, ici on a la technologie qui va nous donner différents niveaux. La technologie humaine, qui a l'air pas mal pour moi, ça augmente ma batterie et récupère 50% d'énergie supplémentaire. Les attaques au corps à corps génèrent parfaitement plus d'énergie loin. Là, ça régénère plus d'énergie les attaques au corps à corps. J'ai l'impression qu'en faisant des attaques au corps à corps, je peux régénérer pardon, mon énergie. Augmente légèrement vos dégâts élémentaires. Là aussi, augmente de 10% les dégâts des armes à distance. Et s'active lorsque vos points de vie tombent à 0. Restaure automatiquement 50% de vos points de vie, de votre endurance et de votre énergie. Temps de recharge 10 minutes. Augmente 10% la vitesse à distance. Ça, c'est les attaques au corps à corps. On change le filet des dégâts. Des soins suppriment des effets négatifs comme lenteur. Les soins restaurent 20% de vie supplémentaire. De 12 points votre défense et votre résistance. Suivant la classe qu'on prend en fait, on n'utilise pas la même armure. D'énergie et s'active en appuyant sur paré. Lorsque le mode d'énergie est activé, déclenche un champ de force énergétique autour de vous qui absorbe 600 points de dégâts. Pas mal ça. Hein. C'est pour les attaques au corps à corps. Restaure légèrement vos points de vie. Ah ouais. Ça augmente les points de vie. Les Riviane là, c'est pas mal. Hein. Monte l'endurance. Enfin, ouais, c'est pas mal, mais ça fait moins de dégâts. Hein. Je sais pas encore, parce qu'en fait si je regarde moi mes armes et armures, ils sont tout pourris. Là je suis à 0 de physique. Là aussi. Donc pour l'instant je peux rien construire. Enfin si, je peux construire pour l'instant au niveau des armures, et c'est ce qu'il me faudrait. Le matos, ici la foreur. C'est du foreuse, mais le Riviane ça aurait été mieux. Je peux pas de toute façon. Mais bon, ça va venir avec les mobs hein, aussi je crois. Là il faudra 2 constitutions supplémentaires. Ouais mais il est là, c'est que je peux pas les utiliser tant que j'ai pas augmenté ma constitution.
Je crois que c'est l'énergie, la force. Ah, lui c'est la vigueur. Et lui c'est rien. Donc ça serait bien que j'arrive à faire le casque aux Zoran. Le Zoran, pour ceux qui ont vu le film. Un coiffeur fou. Un super héros coiffeur fou juif. Excellent film. Constitution, vigueur, énergie, force, dextérité et science. La science augmente quoi? Les attaques à distance de glace. Multiplicateur de capacité de 12,5. Ah oui, en plus ça booste la capacité. Dextérité aussi. Comment tu ne boostes pas le multiplicateur de capacité toi? C'est les attaques physiques, la force. Ça, mon énergie me booste tout. Hein. La défense. Et pas mal la défense en plus. Bonne énergie. C'est quand même vachement important. Là, ici, les points d'endurance. Et là, ici, les points de vie. Ah, oh, ça va être dur de choisir là. Le mieux serait ça quand même. Si j'ai une attaque de glace supplémentaire, le multiplicateur de capacité pourrait être pas mal. Après, pour l'instant, ça me sert pas grand chose. Et j'ai rien en constitution, en vigueur, en énergie. En énergie, si. Peut-être booster un peu mon énergie quand même. Quoique ma constitution aussi, ma vigueur aussi. Allez. Parce que ça va me booster mes points de vie en fait. Il m'en fallait 600, je pense que je dois faire un petit level supplémentaire encore là. Il me faut 608, je dois pas être loin de faire un level. On va ressortir, on va aller se tuer un mob. Et puis voilà, se téléporter à la décharge. J'arrive où avec la décharge là où j'ai été TP, ouais. Ça je peux pas. Encore faire quelque chose. Et au niveau des armes, j'ai pas regardé si je pouvais booster ce que j'ai déjà. Ça marche bien. Qu'est-ce que c'est que ça? L'icône au-dessus de l'ennemi indique que son attaque ne peut être arrêtée. Même s'il est paré. Ah d'accord. Ouais, encore plein de saloperies là. Ah oui, ils arrivent. Ça te ralentit, toi, tes attaques? Ouais, hein, quand même. Quand même. Qui me tire dessus là? Ah c'est lui. Je
pas grand chose, pourtant je lance de la glace. T'as l'air fait de feu pourtant. Je t'attaque pas du tout, je l'entame pas du tout en fait. Ils sont deux à m'attaquer. Ah oui, alors lui il est carrément descendu. J'ai commencé à l'entamer un peu mais de rien du tout. Par contre, vous m'avez filé plein de... Je sais pas quoi là, de Deviane, je sais pas comment ça s'appelle. On va aller là. Qu'est-ce que nous avons là? Oh, un truc qui va tomber encore. Il y a des mitrailleuses et des plaques. Ça, ça doit être mon ascenseur. Est-ce que je peux y aller cette fois-ci? Ah, ok. Les textes sacrés disaient vrai. Une fois activé, le dolmen nous permet de communiquer avec des êtres venant d'autres univers. Cela peut être la plus grande découverte de l'histoire. Là je peux ouvrir la porte mais je vais juste débloquer l'ascenseur. Hein. On arrive ici. Faisons attention un peu à ce qu'il y a. Il y a lui là-bas. Ah j'entends un peu. Ah tu l'as touché là, là t'es sûr? Tu m'as touché là, ouais. Là j'ai ce truc rouge, non enfin ici j'ai un truc, mais je suis trop haut, j'ai pas envie de tomber, je vais me faire mal, je vais me blesser. Hein. Là, il va y avoir de la blessure, donc je préfère éviter de sauter. Ouais, on va éviter de sauter, par contre là ça me rend curieux ce truc violet là. Bon, on va remonter. D'accord, à monter, X descendre, d'accord, très bien. On va partir dans notre avion, tranquille, on aura bien avancé. Hein. Si je le compare à ce que j'ai fait la dernière fois, c'est quand même beaucoup mieux. Il faudrait limite que je fasse un tour complet, histoire de me récupérer au moins 2 levels, quoi. Mais bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien. J'ai récupéré des choses, du matos là, je pense. Se téléporter au vaisseau. Non, on peut se téléporter autour des points de TP maintenant, je crois. Tout ce qu'on ouvre, j'ai l'impression. Non, c'était là. Hein. Ouais, c'était là. Toc. Je peux toujours pas faire de nouvelles haches. Pas d'armes non plus. Ah, des flingues par contre. On peut se faire des flingues.
pistolet Zoran. Toujours que des casques. Mais bon, il faudrait 3 de vigueur pour pouvoir les récupérer. C'est con, hein, ce qu'il faut. Parce que ça a l'air pas mal, ces trucs-là. Si je peux récupérer ce qu'il faut... Ça a tout fort à croire, d'ailleurs, qu'il aurait mieux fallu que je monte ma vigueur, hein, ma constitution. Parce que après, dès qu'on a ça plus les bonnes armures... Parce que les armures, elles ont l'air de carrément protéger, quand même. Allez, on se fout un peu d'énergie supplémentaire. Prochain truc, 699. Enfin, limite que j'en chope un de plus, là. 126-339. Peut-être aller fermer, hein, au moins pour monter à 699. Eh bien, écoutez, je vais donc vous laisser. Vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne et agréable journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et je vais vous dire à bientôt. Je remercie encore hein, les développeurs de m'avoir fait parvenir une clé. C'est vraiment très gentil à eux. Et puis, ça me permet à moi, parce que j'étais un peu... J'étais un peu gêné de pas avancer plus, quoi. De pas en avoir plus vu plus. Donc, ça me permet à moi d'avancer un petit peu. Donc, merci encore à Massive Work Studio. Excusez-moi si j'écorche vos noms. Prime Miter et Koch Media. Pour m'avoir fait parvenir cette clé. Merci à vous. Allez, à bientôt. Au revoir.